souhaité inviter Annette Messager à travailler dans les archives de la Fondation pour aller découvrir des œuvres moins connues de Giacometti et des documents inédits. Donc elle avait une totale liberté pour aborder l'œuvre de Giacometti depuis sa propre pratique. Quand ça prend forme dans l'espace d'exposition, c'est vraiment évident qu'il y a une connivence entre ces deux artistes et les deux fonctionnent très bien ensemble, comme un couple en fait, qui regarde dans la même direction mais qui garde chacun son indépendance ou sa personnalité. Elle a créé la sculpture Mère et enfant qui est, selon la mythologie qu'invente Annette Messager aujourd'hui, l'enfant qu'elle a eu avec Giacometti. Et donc qui est cette sculpture qui fait référence à une œuvre très importante de l'après-guerre de Giacometti qui évoque la mort. Donc elle en fait l'extrême inverse puisqu'elle en fait la naissance avec ce bébé-là et elle les met en dialogue comme pour synthétiser ce qu'est l'existence. Je suis invitée ici parce qu'il y a quelques années, j'ai fait une pièce qui s'appelle « Sans légende ». C'est une sorte de monde brûlé, calciné, un peu pétrifié, et où il y a quelques humains qui résistent à ça. Et pour moi, les humains qui résistent sont des Giacometti. Cette exposition, c'est plus un dialogue avec Giacometti, c'est ce qui m'a intéressée. Je ne voulais pas prendre l'espace de Giacometti, je voulais vraiment être avec lui. Et donc j'ai imaginé une vie avec Giacometti. C'était beaucoup plus difficile que de faire une exposition toute seule. Mais dans ce lieu qui est très précieux, très intime, j'ai décidé de le séparer en chambres et mes chambres avec Alberto Giacometti. Se trouve, hasard merveilleux pour moi, que sa mère s'appelait Annetta, sa femme s'appelait Annette et je m'appelle Annette. Donc je suis la troisième Annette dans la vie de Giacometti.